Tout pour le mieux, on est cinquième au scratch, on est premier du promotion Groupa et on a une petite minute d'avance sur la voiture qui nous précède et on est à 2 minutes derrière l'autre voiture. Maintenant c'est la fin du rallye, donc je crois que là maintenant les écarts sont faits, largement faits, il faut assurer, je crois que plus ça va aller, plus on va lever le pied maintenant. Pas trop mal, ça pourrait mieux se passer parce qu'on a pas mal de soucis techniques, mais enfin comme on est toujours en tête, je peux dire pas trop mal. Tout va bien, on a eu quelques petits problèmes hier, mais pas grave, bon, on était là pour apprendre un tout petit peu la voiture. Et puis faire avec l'équipe. Et voilà, je pense que pour l'instant, tout se passe comme on avait prévu.
automobile en faisant d'abord confiance à une marque. On peut en parler, il s'agissait de faire au maximum avec une pirouette. Une pirouette pour démarrer. La preuve de les très beaux instants que nous venons de vivre. Jean Ayotti, Gilles Thibaudier. Et Jean-Manuel Besnin, champion de France de rallycross, connaît la glisse. On va le voir tout à l'heure. L'année où il s'était imposé, c'était avec 1950. Jean-Paul Chironi, nouveau venu à côté de Bernard Béguin. Bernard Béguin, champion de France sortant, pilote du team Bastos. Cette année, en collaboration avec cette Ford pour une saison 1950. Ce trio de choc, c'est vrai qu'après la victoire de 87 au Tour de Corse, l'année dernière...